22 days on HRT. What's going on? Ben, un petit peu plus de fesses, mettons. Ouais. Puis, pas mal une grosse augmentation, ma mère, au niveau du nipple. Comme. Puis, comme ça change, tu sais, c'est comme plus un muscle, comme ça, c'est plus comme mou. Fait que ça commence tranquillement comme à pousser là. Quoi d'autre? Ben là, j'ai touché mon visage, puis je trouvais que mon visage était beaucoup plus soft. En tout cas, une texture différente. Je sais pas si c'est plus sec ou en tout cas, c'est différent. Puis c'est ça, plusieurs endroits ont comme changé de. Vraiment comme plus doux. Ouais. Plus doux. La peau devient plus douce. Ouais. Sans même si je suis pas rasé. Hein. Des fois, tu te rases, puis. Attends, tu te raserais, puis ça serait doux, mais là, c'est vraiment assez doux. Ouais. Surtout en dessous, c'est très très doux. Tout change comme de texture, la peau change de texture. C'est comme beaucoup plus sensoriel finalement. C'est ça, le visage, les nipples, la peau. Puis surtout en dessous ça. Ça rétrécit tranquillement. Ça me fait peur, mais pas en même temps. Parce que, genre, j'essaie de garder comme mon désir. Parce que là, je viens de changer pour une nouvelle molécule. On est passé de spironolactone à androcure. Parce qu'il n'y en a plus. C'est BO. En tout cas, dans ma pharmacie. Puis, mais en tout cas, genre que ça marche. Là. Je me demandais au début si ça faisait vraiment quelque chose, mais quand je remarque l'endroit où le gras commence à se ramasser, tu sais, ça me fait quelque chose. Un petit quelque chose. Une petite euphorie. C'est ça. 22 days on HRT. Des fois, j'ai des petites sautes d'humeur, certaines difficultés au travail. Mais je m'en sors bien. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va continuer les bloqueurs, même s'il n'y a plus de spironolactone qui est plus smooth. Ben, je sais pas. On va essayer l'androcure, on va voir. C'est ça. Fait que c'est surtout sexuel, là, que j'ai comme peur avec l'androcure, parce que ça. Mais bon. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sexuel, fait que je vais essayer de garder mon désir. Puis je vais essayer de me masturber un peu, tu sais, pour garder la drive. Mais, mettons, la peau du pénis, là, elle fait mal, tu sais, vu que ça rapetisse. Mais quand t'as des érections, ça c'est beaucoup plus sensible, tu sais, ça fait mal, genre. L'autre jour, j'ai eu une relation sexuelle, ça s'est super bien passé, tout. Bon. Je l'avais pas mal, mais pas comme autant que si je serais un homme complètement, tu sais. Mais bon, ça va bien. Puis c'est des petites affaires, c'est des petits mots, des petites affaires, des petits détails, des petites choses. Fait que 22 jours, quasiment un mois, puis... J'ai hâte de perdre un peu d'épaule, je trouve. Ça fait partie de ma dysphorie, c'est mes épaules. Ouais, avoir un peu moins de muscles, un peu. Donc voilà. Ça va bien.
tous les jours des petits changements. Fait que 22 days on HRT. Petit bedon. Aussi. Les fesses. Puis les seins. Ça sent bien. 22 days on HRT. MTF. Male to female. Non-binary. Yell. Salut.